Bonjour à toutes et à tous, ici Medvain, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et nous allons terminer la série sur Skaven. Voilà, c'est terminé, c'est l'ultime vidéo sur Skaven. Il n'y en aura plus avant un long moment sur cette race que j'aime beaucoup, que je trouve passionnante à jouer, qui est extrêmement riche, qui a vraiment énormément de mécaniques spéciales, 55 types de troupes d'unités, 7 héros différents, 5 seigneurs génériques, 6 seigneurs légendaires. Bref, une race qui a vraiment tout pour plaire et cette dernière vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, va être consacrée au domaine de la furtivité des Skaven. Alors, le domaine de la furtivité a été introduit avec le DLC The Shadow and the Blade, que vous pouviez retrouver notamment Snitch et Malus Darkblade. Voilà, je vous mets le petit fond d'écran qui correspond. Et ce domaine est accessible uniquement par les sorciers Echine. Les sorciers Echine, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas m'attarder dessus. On va parler vraiment des sorts, de la magie, de ce qu'ils apportent, de leur utilité, des façons de l'utiliser, s'il faut mettre des points dedans ou pas. Voilà, et tout de suite, on commence avec... Le passif ? Et effectivement, comme elle le souligne, on commence avec le passif, l'appui toxique du domaine de la furtivité qui va affecter en fait tous les ennemis de la carte et va les empoisonner avec une appui toxique qui va réduire grosso modo leur performance pour faire des dégâts ainsi que leur vitesse de 10%. Ça marche aussi bien sur les projectiles que sur les dégâts au corps à corps. Donc c'est un passif, ma foi, relativement puissant. Il ne faut pas oublier que les troupes Skaven sont assez fragiles. Donc retirer 10% de dégâts à l'armée ennemie en face à chaque fois que l'on lance un sort, bah écoutez, c'est pas mal. D'autant plus que dans le domaine de la furtivité Skaven, il y a quand même un certain nombre de sorts qui sont plutôt faciles à lancer, rapides, avec un faible cooldown. Et bien, en général, c'est quand même un passif que l'on peut qualifier d'assez puissant. Même si il ne va pas remplacer par exemple les poisons que vous pouvez appliquer avec une unité de coureur d'égout ou ce genre de choses, ça n'en reste pas moins extrêmement intéressant. Le premier sort avec lequel vous démarrez dans le domaine Echine, il s'agit des étoiles de Malpierre. Grosso modo, c'est un projectile magique qui se divise en 3 et chacun des projectiles va infliger 62 dégâts magiques ainsi que 90 de dégâts magiques et perce armure à l'impact. Donc c'est assez puissant pour tuer de la cavalerie, pour tuer pratiquement n'importe quelle infanterie lourde. C'est également assez puissant contre les unités d'infanterie monstrueuses. Les projectiles ont une petite détonation de 30 dégâts magiques et de 45 de dégâts perce armure. C'est un sort qui se lance extrêmement rapidement. Hein. C'est une seconde de casse pour 4 devants de magie et c'est un temps de repas finalement très court. Et ce qui est bien avec ce sort, c'est qu'elle va vous permettre de lancer énormément de projectiles et de faire proc votre passif très souvent. Et l'un dans l'autre, le sort est très bon rapport qualité-prix, et je trouve presque qu'il est meilleur que la boule de feu contre un certain nombre d'ennemis. Même s'il ne fait pas de dégâts de feu, c'est quand même des dégâts magiques et des dégâts magiques hyper armure, donc c'est ça qui est excellent. Et si vous le lancez au niveau 2, par contre, il passe à 7 devants de magie. Donc cette fois vous allez lancer deux volets de 3 projectiles chacune et qui vont faire exactement les mêmes dégâts. Alors est-ce que ça vaut le coup de le passer à 7 devants de magie sachant que tout le reste reste pareil? Je dirais que si vous avez beaucoup de devants de magie ne vous privez pas, mais quelque part moi je vais préférer le lancer la première version à 4 devants de magie parce que les projectiles ont quand même des chances de toucher peu ou de ne pas toucher même. Donc économisez un petit peu votre mana, l'intérêt c'est que vous allez faire des dégâts évidemment, c'est très très bon contre les personnages, mais c'est aussi excellent pour tout simplement faire proc votre passif un maximum et du coup aider toute votre armée, surtout pendant les phases un petit peu dangereuses. Le second sort dont nous allons parler est la pirouette. La pirouette permet à des unités de se cacher pendant 25 secondes, ça leur donne également un plus 25% de vitesse, la capacité rodée est impossible à repérer. Ça ne coûte que 4 devants de magie si c'est lancé sur une seule unité avec quand même une portée assez élevée de 200 mètres. Et si vous le passez au niveau 2, ça va affecter toute une zone, donc sur 40 mètres. Et ça va avoir exactement les mêmes effets en termes de durée et d'effet. Alors, ce sort est relativement intéressant, mais plutôt en multijoueur. Je vous avoue que j'ai dû l'utiliser peut-être une fois sur toutes les heures de jeu que j'ai avec les Skaven en bataille et quel que soit le mode d'ailleurs de bataille. Par contre, en multijoueur, là où il peut être très utile, c'est évidemment pour vous aider à contourner les unités ennemies, enfin la ligne ennemie, avec par exemple des ralous, des horreurs de la portée, ce genre de choses. L'autre utilisation dont on peut en faire et dont on n'est pas souvent conscient,
de cacher avec en fait vos unités d'artillerie pendant un certain temps pour les faire les mettre à portée ou les faire tirer toutes ensemble sur une unité en particulier. Et en fait, c'est très utile pour éviter un tir de contre-batterie et déchaîner votre artillerie en premier. Alors, je sais, c'est assez bizarre dit comme ça, mais je vous assure que ça marche quand même plutôt pas mal. Et ça peut vous permettre de complètement prendre l'avantage dans un duel de tir contre, par exemple, des nains, l'Empire, les Hauts-Elfes, que sais-je. Bref, voilà, c'est un petit truc marrant à faire avec ce sort. Vous pouvez évidemment l'adapter à plein d'autres sauces, mais moi, c'est l'utilisation principale que je vais en avoir. Le troisième sort de ce domaine est probablement un des meilleurs sorts de buff du jeu. Voyez un petit peu, c'est un plus 60 d'armure et 20% de résistance au projectile que vous pouvez mettre sur une unité alliée pendant 33 secondes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça coûte 7 devants de magie. Si vous le passez au niveau 2, ça coûte 11 devants de magie. Mais cette fois, ça va affecter toutes les unités alliées à 40 mètres du centre de l'effet. Alors ça, c'est probablement un des meilleurs sorts que vous puissiez lancer, par exemple sur une Death Ball, sur une mêlée qui est assez compliquée, où vos troupes ne s'en sortent pas très bien, vous leur mettez ça, ça va vraiment vous permettre de temporiser et donc eh bien, de contourner l'adversaire, de pouvoir faire une fourberie typiquement Skaven. C'est un des rares très 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 bons sorts de zone comme ça avec autant d'armure. Le petit 20% de résistance au projectile est aussi bien agréable, hein, surtout quand on se fait tirer dessus par-dessus la mêlée, par exemple par des arbalétriers nains, par des archers elfes. Ça va rendre vos troupes pratiquement insensibles aux tireurs qui ne sont pas perce armure. Et ça va énormément les aider dans la mêlée. Probablement un des sorts que j'utilise le plus dans ce domaine avec le sort Os de Verre. Le sort suivant est le Voile des Ombres. Le Voile des Ombres est un vortex qui a la particularité bien de n'infliger aucun dégât. Lorsque vous allez lancer ce vortex sur le champ de bataille, il va repousser les unités, enfin les modèles d'unités en dehors de sa zone d'effet et il va les maintenir là. Donc en fait, c'est un vortex qui est fait eh bien, pour interdire l'accès à un endroit bien précis. Comme par exemple sur une bataille avec un pont ou avec un guet qui va permettre en fait de repousser les ennemis sur les côtés et de les empêcher d'avancer. Alors, ce sort coûte quand même 12 devants de magie, il dure 26 secondes, est-ce qu'il en vaut le coup? Très franchement, je le trouve absolument inutile, je ne l'ai utilisé je crois qu'une seule fois pour vraiment voir juste ce que ça faisait. Il est sans doute possible de lui trouver des utilités, hein, surtout sur des cartes bien spécifiques, mais en général, il est quand même très très peu utile, donc ne mettez aucun point dedans, en général, il ne vous servira à rien. Même si vous le passez au niveau 2, il va coûter 16 devants de magie. Il va durer toujours 26 secondes, mais par contre, il va infliger un moins 45% de vitesse et un moins 8 de commandement aux troupes qui sont affectées. Ni le niveau 1, ni le niveau 2 ne valent le coup, très franchement. Passez votre chemin, c'est vraiment un des rares sorts dans le jeu où je vous dirais de passer votre chemin. Pour moi, il est relativement inutile. Après l'un des meilleurs buffs du jeu, nous avons un des meilleurs des buffs du jeu. Il s'agit des Eaux de Verre. Les Eaux de Verre, c'est un sortilège qui va durer 39 secondes. 39 secondes, c'est énorme. Et qui va donner moins 25% de vitesse, moins 40 de défense en mêlée. C'est énorme. Moins 40 de défense en mêlée, moins 9% de vigueur. Ça coûte 11 devants de magie. Ça ne s'applique qu'à une unité. Mais si vous le passez au niveau 2, il va coûter 18 devants de magie, ce qui est assez cher. Mais cette fois, il va affecter toutes les unités dans la zone. Et ce moins 40 de défense en mêlée, c'est absolument énorme. Et vous allez voir tout d'un coup vos guerriers des clans, vos triades des chines, vos corps mortels, etc. qui vont se mettre à vraiment défoncer l'ennemi parce qu'ils vont, ils vont énormément le toucher. Alors, ce sort pour moi fait partie vraiment du top 5 des meilleurs debuffs du jeu. Et d'assez loin, ça va vraiment vous permettre de gagner des mêlées qui vous semblaient pas faciles du tout, surtout contre des troupes extrêmement solides. Pas forcément des troupes qui ont énormément d'armure, mais on a quand même pas mal d'unités dans le clan Eshin qui ont du perce armure. Tout ce qui est par exemple les Saurus, ça va être extrêmement utile si vous affrontez également des costauds orques, si vous affrontez des joueurs d'épée, etc. Tout ça, qui n'ont pas forcément énormément de points de vie par modèle et qui vont se retrouver avec zéro de défense. Vous allez voir que même les guerriers des clans vont se mettre à les toucher et à leur faire des dégâts. En plus, la durée de vie est très très longue, donc allez-y, foncez sur ce sort. C'est probablement un des meilleurs du jeu. Et le malus de 40 de défense en mêlée, en fait, il est tellement gros que c'est aussi un très bon sort à lancer au niveau 1 sur un personnage qui serait en train de faire un duel avec un de vos assassins ou avec Snitch en personne. En général, vous mettez ça sur un personnage et puis en plus, vous lui mettez le petit debuff de Snitch derrière.
le personnage, il a 0 en défense. Et Snitch va passer littéralement toutes ses attaques dessus, ou presque. Donc, très très bon sort à recommander, absolument. Absolument. Le dernier sort de ce domaine est la Tornade Noire. C'est un vortex qui va durer 17 secondes, qui ne, malheureusement ne se lance pas sur les murs. Mais cette Tornade Noire, elle a beaucoup d'avantages. Bon, déjà, c'est un vortex qui va faire 2 de dégâts magiques et 4 de dégâts magiques et perce armure à tous les modèles qui sont touchés pendant le temps dans lequel ils vont rester dans la tornade. Sauf que la Tornade Noire, eh bien, elle va attirer les unités vers son centre. Souvenez que le vortex précédent, le voile des ombres les repoussait à l'extérieur. La Tornade Noire les attire à l'intérieur. Donc déjà, ça, c'est plutôt correct. Mais ça fait en plus des dégâts pas piquer des hannetons. Alors, quand vous le lancez au niveau 2, tout ce que vous gagnez, en fait, c'est que vous doublez les dégâts magiques et perce armure de la tornade pour un coût de 20 en vent de magie. Personnellement, ce que je vous conseille de faire avec ce sort, c'est de le lancer au niveau 1 sur des unités qui vont du coup se retrouver vraiment tout attirées au centre et de balancer la sauce par exemple avec des catapultes de la peste, des malfoudres, des boules de malfeu ou ce que vous voulez au centre. Et là, vous allez vraiment faire un carnage. Et pour moi, ce sort, il est très très bon à lancer au niveau 1. Il a un rapport qualité-prix qui est tout à fait correct, il ne fait pas énormément de dégâts, c'est surtout la façon de le combiner avec d'autres sorts qui va être extrêmement intéressante. Bref, un sort que j'aime bien, c'est pas le meilleur vortex du jeu, mais il se combine très très bien avec un certain nombre de fourberies que vous pouvez faire avec les Skaven. Notamment, je vous ai parlé des catapultes de la peste, mais on peut parler aussi des mortiers aglobtoxiques ou des globaliers qui, s'ils tirent en même temps dans ces unités, eh bien, vont absolument tout tuer. Ça va également permettre de faire beaucoup de dégâts même sur des personnages, donc je recommande absolument. Au final, que penser du domaine de la furtivité Skaven? Ce n'est clairement pas le plus puissant des domaines Skaven, c'est peut-être même le plus faible de tous. Néanmoins, il a quand même un excellent passif, il a un potentiel de dégâts qui est intéressant, même s'il n'est pas aussi important que le potentiel de dégâts du domaine de la peste ou du domaine de la ruine, qui sont quand même très largement au-dessus sur ce point-là. Par contre, en multijoueur, c'est peut-être un des domaines qui a le plus gros potentiel parce que, en multijoueur, en fait, les 10% de dégâts en moins de l'armée ennemie grâce au passif du domaine, plus les étoiles de Malpierre, éventuellement un petit sort de furtivité pour faire contourner une unité intéressante ou importante pour arriver dans le dos de l'ennemi. Bref, il y a pas mal d'outils qui, je trouve, le rendent intéressant dans le contexte du multijoueur. Je vais l'utiliser moi personnellement dans les armées du clan Eshin, comme il se doit, c'est assez logique, puisqu'il a quand même pas mal de sorts qui se marient pas mal avec le type de troupes de ce domaine. Mais on va quand même lui préférer en général le domaine de la peste en priorité, le domaine de la ruine est beaucoup plus utile en défense, le domaine de la furtivité est vraiment extrêmement spécifique, et je ne vais finalement mettre des sorciers Eshin dans mes armées que pour deux raisons. La première, c'est parce que ce sont quand même de très bons combattants, ils ont des statistiques de corps à corps qui sont plutôt correctes. Si on regarde à nouveau l'armée de Snitch, vous voyez que Éclair Trucidant, le personnage que l'on a mis dans son armée, il a quand même 77 de défense en mêlée, il a 55 d'attaque, 65 d'armure, il y a des attaques magiques, il a, en fait pour un mage, il a quand même d'excellentes statistiques de corps à corps, il est relativement rapide, bref, c'est un sorcier qui va être un petit peu couteau suisse, capable de faire à peu près tout ce que vous lui demandez, et même capable de tenir tête à des personnages extrêmement puissants. Voilà, c'est tout pour le domaine de la furtivité, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on en termine ici avec les vidéos sur les Skaven. Merci à tous d'avoir suivi cette série, si vous l'avez regardé jusqu'au bout, je vous félicite, bravo, vous êtes enquillé, je sais pas combien d'heures de Skaven, mais maintenant normalement vous devriez les jouer comme des pros et être capable de rouler sur absolument tout ce que le jeu pourra vous opposer. Merci encore une fois d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.